Je suis choquée. Alors, il faut savoir que je suis fan de Seventeen, même si c'est évident. Et en gros, c'est un boy group. En fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été à fond comme ça dans un groupe. Et du coup, ils sont jamais venus en Europe, en tout cas pour faire des tournées, ni pour des events en fait. Ils sont juste, genre, en fait, ils sont déjà venus individuellement pour des Fashion Week. Et en gros, là, ils organisent un event avec l'UNESCO. Du coup, ils viennent dans 2 semaines. Ouais, ils viennent dans 2 semaines à Paris. Et il y a des invitations gratuites. Genre, ils ont ouvert 500 invitations. Plus, ils ont fait un jeu concours pour avoir des places VIP. Et je suis tellement... En fait, vous pouvez pas rendre compte à quel point je suis heureuse. J'ai sauté dans tous les sens. J'ai envoyé ça à ma copine et tout. J'ai dit, inscris-toi, tout ça. Et en fait, dans ce moment-là, je me dis, purée, mais vraiment, on a tellement de chance d'être à Paris. Parce que dans toutes les villes, il a fallu que ça se passe à Paris. Et en plus de ça... C'est un event gratuit. Faut savoir que je vais avoir mes places. Parce qu'ils vont faire un tirage au sort, je crois. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'en fait tu t'inscris que tu vas forcément avoir les places. Mais en fait, j'en ai rien à faire. Parce que dans tous les cas, j'aurai ma place. J'aurai ma place. Parce que, ah oui, faut savoir que moi je suis une... Je crois très fortement en la loi de l'attraction et en la loi de l'assomption. Et c'est comme ça en fait que j'ai grave manifesté plein de trucs. Dont une place gratuite... un jeu concours pour aller voir Blackpink en concert. Est-ce que t'as déjà fait ça? Est-ce que t'as déjà fait ça toi? Et du coup, ouais, en fait, fallait que j'aille partager avec vous. En fait, je suis trop heureuse là. Je suis trop heureuse. Je vais aller voir Seventeen. À l'UNESCO. Non, mais la probabilité. Et le pire, c'est que je me rappelle que. Faut savoir que dans ma tête, en octobre, j'étais persuadée d'être en Corée. Genre, je me suis dit, je vais aller en Corée cet automne. Ce qui ne s'est pas passé, c'est pas grave. Et en fait, c'était trop drôle parce que je regardais l'horloge. Il y avait écrit 1-1-1 ou 2-2-2. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aime trop les nombres miroirs, genre 2-2-2 et 1-1-1, c'est mes préférés. Et du coup, quand j'ai fait ça, j'étais en mode oh, ça veut dire que c'est un signe que j'irai, je les verrai un jour et tout. Et genre, le truc, il est arrivé vraiment une semaine après ça. I'm a lucky girl! Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. Genre, je vous ai pas donné de nouvelles par rapport à l'événement de Seventeen, mais en gros j'ai pas été sélectionnée. Et genre ça fait 2-3 jours, je dors super mal. En fait, je l'ai super mal vécu le truc parce que déjà d'une, je m'attendais pas à... En fait, genre, déjà ça m'énervait de réagir comme ça, ce genre de truc là. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point ils faisaient. J'étais à fond sur eux, genre vraiment, ils font partie amplement de ma vie actuellement. Au point que, genre, hier soir, je suis partie, j'ai allumé la télé. Pour moi, c'était naturel, genre, de mettre leur chaîne YouTube, de regarder leur dernier vlog, de regarder leur dernière prestation. Et j'étais en mode, non, mais c'est pas possible, genre, je me sentais trop mal. Et en fait, j'ai une proche qui travaille à l'UNESCO, non, qui a travaillé à l'UNESCO. Du coup, j'ai forcé avec elle et tout. Heureusement, on s'entend bien, du coup, elle a essayé de tenter pour moi, sauf qu'elle travaille plus là-bas, donc c'est un peu compliqué. Elle a tout tenté et en fait le truc c'est pour ça que genre ça, je vis super mal, c'est que en fait c'est trop bizarre, j'ai un mélange d'émotions, en même temps je suis hyper déprimée et hyper, je suis hyper anxieuse parce que du coup j'ai de l'espoir et de l'autre côté je suis hyper excitée pour la sortie de ma boutique et en fait genre ça va pas du tout parce que je me disais genre, pour moi dans le meilleur des mondes c'est j'allais au l'event de Seventeen, après je sortais ma boutique et c'était vraiment, j'étais la plus heureuse. Et là, tu sais, comme je suis une forceuse et j'ai encore de l'espoir, bah, en fait, là, je vais me préparer. Je vais me préparer et ensuite, je vais sortir et je vais voir ce que je vais faire sur place avec mon pote. On verra bien, de toute façon, tu ne tentes rien à rien. Donc, je sais pas trop. Enfin, bah, de toute façon, là, je dois me préparer. Regardez-moi cette folle. Genre, j'avais tout prévu. Regardez, les gars, j'ai tout prévu. Genre, ça, c'est bon. C'est le look que j'ai prévu, que j'avais prévu de mettre. Et ça, ce truc-là, il est préparé genre depuis une semaine. Du coup, bon, le make-up n'est pas terminé. Mes boucles d'oreilles. Ça, c'est des boucles d'oreilles qu'une marque m'a offerte pour une collab. J'ai oublié, j'avais celle-là déjà. Hop là. Hop là. Chuck, chuck, chuck.
Ah, il fait trop sombre, vous pouvez pas bien voir. Je suis nègre. Ah là là, si vous voulez. Non, mais est-ce qu'on s'habille comme ça à un event auquel on n'est pas convié? Bah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est de l'album. Voilà. Je veux dire que je me suis fait des copies. Mais on ne va grave pas. UNESCO is about education, science, culture, and there's nothing better than music, than art, to convey also those messages that we care about. 후회하지 마요. 마시고 네, 하셨으면 좋겠어요. 라는 생각이 있어요. The partnership that ultimately led us here today. 우리 얘기를 좀 하고 있는지 들어주시겠습니까? If we are together, you and I are never losing our way. You and I, we will be walking straight. So we
늘 느꼈습니다. And I really realized that we share with you the youth. Non mais c'est bon, t'inquiète. En fait, je pense que je vais en mettre plusieurs en une pour rattraper le temps. Votre copine qui sort jamais les vlogs. C'est mais vraiment un dealer. Il va sortir en 2024. Ouais, j'ai été gentille. Non mais il va sortir. Promis, c'est pas grave. Je sais pas comment je vais te couper. Une B3, comme ça il y a une soupe, une salade de tartare. Parce que surtout j'ai une soupe. Ah t'as raison, ça réchauffe. On a mis ça à punter. Let's go. Non, on les a toutes les trois vues, pas mais vraiment forcées. Les filles sont forcées dans la vie. Ouais, jamais abandonner. Les cougars. On y croyait pas. Je te jure, j'arrive pas à y croire. Mais j'arrive vraiment pas. Genre quand j'étais là, genre, tu sais, quand je me préparais, j'ai l'impression que j'étais dead inside. Genre vraiment, j'étais genre tu savais pas, genre tu faisais. Ouais, je faisais parce que je me dis vas-y fais-le parce que faut être prête, on sait jamais et tout. Mais j'étais pas du tout genre dans ma tête. Sortir en vrai. Mais vraiment, j'aime trop. Genre petit chinois ça. Madame, j'ai dit que cette robe là, je l'avais chinée et je me suis dit elle est magnifique. Je l'avais repris une semaine à l'avance. Vous êtes des. Moi dans ma tête, j'étais sûre que j'étais sélectionnée. Ah oui, du coup, j'ai préparé mon outfit. Et en plus, toi et moi, on s'était dit, on va s'habiller sérieusement. Parce que c'est une escroc. Mais vraiment, après. Vous avez vu ma tenue. Non, mais c'est surtout que moi, après coup, j'étais en mode, c'est eux qui vont faire mon discours, c'est pas moi en fait. Et je travaille même pas là. Je comprends même pas l'UNESCO, que j'en ai rien à faire. Et surtout que j'ai vu performance. J'ai dit, je pense pas qu'ils vont performer en costard cravate. Et effectivement, ils ont performé en costard cravate. Il était que
vers nous au début. Surtout que Jonam, il regardait grave la salle. Vraiment, il regardait. Tu vois, je me rappelle même pas sa tête, il n'est pas regardé en fait. Mais il était hyper discret, mais je te jure qu'il regardait de ouf. Quand il était assise, il regardait de ouf. Non, il était trop stressé, je pense. Peut-être, ouais. Comme il allait passer, ouais. Comme il allait passer. Ouais, en plus, ouais, lui, c'est comme c'est le genre de personne, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Non, mais le timing, le fait que tu m'aies rapporté ça. Le fait que tu m'aies rapporté ça le jour de l'événement, c'est un timing de fou, je trouve. De ouf. Mais elle a dit, je me ramène demain comme ça, se fait signer. Je fais, c'est trop. Putain, si je sais pas en bas. Non, ils auraient pas le temps de signer. T'as pas de stylo. C'est bon. Vas-y. Mais c'est pas grave, de toute façon, s'il faut une fashion week, je. S'ils reviennent pour une fashion week, par exemple, par contre, j'ai formé. J'ai forcé de ouf. De toute façon, j'ai pas en personne. Ah non, mais c'est. Tu vas voir. C'est que je choix. Que je choix. Ils ont fait 40 000 Joshua. Tu peux m'en donner une du coup, j'aime bien. Mais bien sûr, ça avait vous. Attends, il y en a une de loin, il y en a une de près, il y en a une à côté. Alors je te. Ouais. Que Joshua, je suis mort. Alors qu'ils avaient. Tu pensais qu'il y avait tout le monde. Ouais. En fait, c'est édition. Je retrouve mon sunscreen. Ah, j'aime bien celle-ci. Vas-y. En fait, dès qu'elle m'a montré ton cadeau, je me suis dit dans la tête, je vais lui voler Joshua ou. Par quoi tu fais ça? Non, je peux pas comprendre, je l'ai perdu. Non, c'est bon, c'est bon. Tu fais pas? Genre de fourchette, mais ouais. Je l'ai perdu, j'ai trop l'aise. Non, genre. Ah, mais attends, c'est qui? C'est de Sun Quan. Sun Quan, c'est pas le pompier qui a ramené Hermeki? Ah? Il a ramené une photo à l'Anfi. Oh, ça doit être moi. Est-ce qu'elle était sombre la photo? En tout cas, elle était trop sombre de qui il faisait ça? Non, elle était sombre, non, c'est trop ça. C'était pas le Sun Quan, je suis désolée. C'était Megu. Non, je suis dégoûtée. On peut t'en prendre deux chacun? Oui, bah, bien sûr. Hein. Que je dois ton cadeau. Vas-y. Non, je prends une seule. Oh non. Wesh, je suis désolée, mais littéralement, c'est les mêmes. Mais on dirait pas. Regardez, que c'est wesh. Il y a des frères. Non, mais. Mais par contre, ça, c'est grave mignon. C'est genre, en fait, le photographe, il s'est pas cassé la tête, il a fait. Didi. Ouais, genre, ouais, grave. Moi j'hésite. Mais tu mets dedans. Oh les PC, ouais, les gens qui mettent des PC et tout, PC holder. Bon. Mais en tout cas t'auras un truc que pour lui. Bah comme ça moi si je le vois je lui dirai oh je choix. On va dire ouais. Ah, tu peux filer, tu peux. Merci. Waouh. C'est toi qui as pris tout ça? Non, pas quoi. Oh, ça c'est partagé. Ah ok d'accord. Et... Bah je l'ai fait, c'est joli. Ah ouais, elle a vraiment faim. C'est pour ça que les gens peuvent pas se voir dans Vernon en Seleka parce qu'il bouge pas. Vraiment. Il fait la cité? Non, vraiment, je te jure. Bah, au moins, ils avaient pris des photos. J'ai regardé leur vlog quand ils ont vu. Oh, purée. Par contre, c'est 28, il était incroyable. Genre, quand tu voyais dans le vlog l'atmosphère du truc, c'était incroyable. Ils sont partis le soir et tout. Et du coup, au moins, ils se font prendre des photos dans le photobooth et tu vois que tout le monde bouge et t'as que Vernon. Vernon, il bougeait son truc, genre, il faisait ça. Il a mangé des puces. Just spend the whole night crying. I'd rather just look on my ex again.